Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Pokémon version Uranium en Nuzlocke Challenge. En dernière nouvelle, nous sommes arrivés à Kevlar, la ville du Gil et Parmal, parce qu'on aime bien le Gil et Parmal dans ce pays, à Tandor. Nous avons sauvé Roanar à 2 PV près d'un empoisonnement. Je me suis précipité en son Pokémon à la fin de l'épisode précédent. Il est accompagné de Nyandita, un Tamulo niveau 3 qui n'a pas été entraîné, et Wigiloté niveau 5, c'est un Chenousson. Avec une petite coquille, j'ai écrit un L au lieu d'un N, mais je pense que je vais garder la coquille parce que ça donne, on va dire, une étymologie plus aérienne à ce surnom. Oh tiens, un Chenousson d'ailleurs. Allez, capturons le premier Pokémon de la première zone. Allez, au revoir. Oui, cours si tu veux. Allez, règle du doublon, j'ai le droit de le zapper. Ça sera un messignol. Roanar attaque griffe. Griffe. Bon, il est bien affûté. Sac. Pokéball, go! Faut lancer la Pokéball comme sur Pokémon Go. J'ai capturé un messignol, Pikachu! Un Pikachu doit toujours intervenir quand un Pokémon est capturé. Alors, Pokémon Oiseau d'Eden. Il se défend de ses adversaires en clignotant avec son éblouissant plumage en couleur vive, réputé pour la danse d'accouplement. Surnom obligatoire, oui, alors c'est une femelle, ça sera du coup. J'ai prévu le surnom à l'avance. Elkewe. Non. Voilà. Avec le tréma sur le E, c'est sacré. Ça veut dire oiseau splendide. Découvrons notre nouvelle compagnonne. Ouais, c'est une femelle, hein. Adore manger. Doux de nature. Ça m'a l'air d'être un très bon Pokémon. En plus, j'ai regardé le move pool de Messino et son évolution. Et ben, c'est un Pokémon vol qui attaque surtout sur le spécial. Allez, je prends les B. Allez, revenons à Kevlar. D'ailleurs, il faudra que j'aille cuire les baies dans la route 1, ils ont dû mûrir depuis le temps. Ouais, ça fait 4 jours que j'ai plus touché le jeu. Hein. Merde, j'ai oublié le layout. Layout. Ah ouais, il faut que j'ajoute déjà un messignol quand même. Voilà, maintenant il est animé le messignol. Alors, visitons la ville du gilet pare-balles. Ma copine m'en veut, alors je lui achète des fleurs pour qu'elle me pardonne. Oh, c'est joli les fleurs. Bienvenue à l'épicerie de la baie de Kevlar. Prends un échantillon gratuit des pays les plus délicieuses de Tandor. Tes Pokémon vont adorer. Opni, Bibaku. Oula, je connais pas ces baies. Guara, Coupou, connais pas. Akai, connais pas non plus. Tu trouves ces baies en plus grande quantité dans la forêt Baikal. Ses fruits poussent à foison cette région. Y'a un arrosoir Walmer qui est donné là? Non, non. Bon, pas d'arrosoir. Alors, non, pas fertilisé. Ah bon, on va découvrir les nouvelles baies. Ouais, ils ont renommé les baies officielles. Bon, je vois pas la différence par rapport aux baies traditionnelles. Bah, ça, par exemple, la paralysie, c'est une baie cerise pour moi. Bon, allez, on va tester. Oui. Baie coupou alors. Non, ils peuvent pas mettre planter baie en premier dans le menu là. Oui, parce qu'on est obligé d'appuyer sur la flèche du bas pour planter une baie. Planter baie, flèche du bas. Ah, il y a que deux baies là. Non. Non, pas fertilisé. Planter baie. Baie Baku. Et une baie pêcheur, allez. Non, pas ça. Ouais, j'aime cultiver les baies. Allez, ça serait une baie au. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va vite acheter des. Alors, j'ai pas parlé aux gens. Hé, mec, tu veux entendre une bonne vanne? Non. Allez, oui. Bon, j'aime pas les blagues, je le dis tout de suite. Ouh, des fleurs. Mon rêve est de vivre dans Neotech, l'une des villes les plus cool de Tandor. Rien que le nom, il m'attire pas. Je préfère la forêt. Alors, qu'est-ce que tu as, toi? Ah, bonjour, jeune dresseur. C'est la première fois que vous venez dans un centre Pokémon? Venez avec moi, je vais vous faire visiter. Suivez-moi, musique, suivez-moi. Un centre Pokémon est avant tout une sorte d'hôpital pour Pokémon. Ma sœur va soigner tes Pokémon blessés.
mais nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire revenir les Pokémon qui ont été perdus à jamais. Il n'y a que Ho-Oh qui peut ressusciter les Pokémon et Arceus aussi. Nos services sont complètement gratuits, alors n'hésitez pas à en profiter autant que tu le souhaites. Bon, Arceus et Ho-Oh ne sont pas dans ce jeu, je précise. Cependant, tu ne trouveras pas ça que ça au centre Pokémon. Il y a un PC à ma gauche, tu peux l'utiliser pour ranger tes Pokémon. Si tu portes déjà 6 Pokémon et que tu en captures un autre, il sera automatiquement envoyé au PC. Le système de stockage des Pokémon a été développé pour un certain Twitch. Oui, c'est une plateforme vidéo pour des jeux vidéo. C'est pourquoi on l'appelle Twitch PC. Cependant, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il est. Bah, c'est le développeur de ce jeu, Twitch. Le chef du projet. En haut, nous avons le réseau Tandor. Il te permet de te connecter avec d'autres dresseurs à travers le monde. Si tu parles aux réceptionnistes, elles peuvent te renseigner davantage. Merci. Cela termine cette visite. Pour te remercier de tentation, prends donc ceci. Oh, un échantillon. À bientôt. Ah oui, plus qu'utile. Bon, vous avez compris que j'ai pas fait le didacticiel, sinon j'aurais perdu mon rat de torche à la fin de l'épisode 2. Tu sais ce que j'ai entendu, ne panique pas, mais apparemment plus en or, une maladie étrange se propage chez les Pokémon, fais attention. Ouais, le type nucléaire. Dis dresseur, quel starter as-tu choisi? Raptorche. Super cool! Les flammèges de Raptorche sont très efficaces contre les types métal et insectes, mais les attaques de type eau sont sa faiblesse et provoquent des dégâts importants. Je n'ai pas oublié ce qui s'est passé avec la venouille, hein. Dis dresseur, quel starter tu choisis? Ah, fourmi gris, c'est un type feu. Razor, ouais. Alors, ça c'est qui lui? Est-ce qu'on soigne un Pokémon d'ailleurs? Non, attends. Ouh, un petit repousse, c'est sympa. Allez, on va entraîner des Pokémon, tiens. Mess. Ordre. Je suis habitué à voir le mot ordre et pas échanger, donc ça me surprend. Eh oui, le Pokémon Uranium a des fonctionnalités en ligne, elles sont totalement opérationnelles. Allez, continue d'explorer. Hey gamin, tu es dresseur? Bien, tu devrais savoir que si tu diriges en or, tu devrais trouver Néotech, c'est là-bas que se trouve la première arène. Merci du tuyau. Je fais un vélo, mais le magasin d'un appareil est vraiment inutile. As-tu des réparations de vélo? Ah, la bicyclette, c'est ici donc. Hey petit, si tu es rentré, ça veut dire que t'as un vélo à faire réparer. Non. Ah, c'est une ville cycliste, la ville du gilet pare-balles. Un peu nœud pour vélo, je serais ravi car je pourrais enfin réparer le vieux vélo qui traîne et pourquoi pas te l'offrir. Un vieux vélo, il doit pas rouler vite. Hein. Et tu savais que si tu parles avec les gens plusieurs fois, tu peux parfois te dire des choses différentes? Ouais, juste comme ça, beau travail. Ok, bon, tu dis la même chose. Tu dis la même chose. C'est vrai, je l'ai remarqué dans la première ville. Bon, rien d'important. Rien d'important. C'est du PNJ pour meubler. Putain, une petite tasse de café. Non, on peut pas interagir avec l'ordinateur. Moi, j'aime bien vérifier ce genre de choses. Bienvenue à Kelvar, le plus petit bourg de Tandor. Non. Je t'ai déjà parlé à toi. Ok, tu dis la même chose. À la boutique. Je peux pas t'aider, c'est lui qui perd tout le temps. Bon, ben... Ouh, boutique. Super potion, hyper potion, rappel max. Attends, pourquoi ils n'ont pas encore au comptoir les meilleurs objets? Il y a une affiche colorée, 50% de réduction vendredi. Quel vendredi? Oui, quel vendredi, c'est vrai ça. Allez, on va acheter des trucs. J'ai 44 242 Pokéfric. Alors, on va surtout acheter des Pokéball. J'ai quoi? Ils ont des zones bol. Ah, j'aurais dû en acheter que 10 du coup. Bon, tant pis, j'ai perdu une balle. J'ai plus assez d'argent, c'est pas grave. Allez, ville du gilet pare-balles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Bon, je vous le dis sans prétention, ça va être un truc d'entraînement. Tiens, j'ai pas parlé à quelqu'un en saut de Pokémon. Toi. J'entraîne mon Tamulo spécial, mais qu'ils aient plus de. Mais bien qu'ils aient de puissantes attaques, nous partons sans arrêt. Tu veux te battre? Oui. Ah, tiens, intéressant. Est-ce que c'est un dresseur répétable? Tamulo, niveau 5. D'ailleurs, je l'ai pas soigné, bon, c'est pas grave. Tant que Runner est full vie.
alors. Une attaque charge stabée, 5 dégâts, bon ça va encore. Attaque flammeuse. Coup critique. Tamulo est KO. Oh, level up. Allez, on va entraîner par Switch. Ah bah il faut les entraîner les pauvres. Hein. Niveau 3, ils vont s'en massacrer sinon. Hein. Bon d'ailleurs, il faudra que j'essaie d'animer Elkwawe. Oui, j'aime bien modifier les sprites. Hein. Je suis pas trop habitué à Switch à chaque tour. Allez, c'est reparti. Charge. Allez, 5 dégâts. Non, 3 dégâts, il tape pas fort lui. Attaque flamèche. T'as nul. T'as un 30 XP. Allez, level up. Oh, rugissement, tiens, sympa. Non, il faut. En usant le challenge, il faut entraîner tout le monde, je peux pas négliger. Alors, attaque. Non, oula, suicide. B. Là il peut m'achever. Hein. Switch. Bah si je fais un mice click, ça va pas le faire. Charge. 5 dégâts. Allez, flamèche, au revoir. Tamulo. Au revoir. Ah, level up. Infirmière, pouvez-vous soigner mon Tamulo? Merci. Bon. Allez, soigne, merci. Il a bien XP quand même, Elkwawe. Alors, je vois que ça donne des EV en défense, les Tamulo. Tornade, c'est du spécial, niveau 40. Flash, rugissement. Un cri tout mimi. Allez, on refait un coup. Donc, c'est un dresseur répétable, ça c'est vraiment sympa. Je serais tenté de l'attaquer, mais pas encore. Tant que j'ai pas un niveau de plus pour sécuriser. Runner à l'attaque. Attaque, la mèche. Le multi, ça me manque. Hein. Oui, je change. Ah, il a déjà trouvé un objet, Nyandita. Putain, mais ça me semble cheaté la capacité de ramassage en jeu là. Pokémon. Ouais, d'ailleurs, j'ai oublié de ramasser ces objets. Ça peut être un bon moyen de se faire du Pokéfric à l'entrée de jeu. Attaque flamèche. One shot. Défonce tout. Hein. Niveau 6. Allez, on va tenter de le faire avec Elkwawe maintenant qu'il est niveau. Elkwawe, allez, attaque. Maintenant, tu vas essayer de le faire tout seul. Est-ce que je le débuff? Allez, on va jouer stratégique. 8 dégâts. Oh putain. Non, je peux pas. Allez, switch. Il manque encore un niveau. Non, un coup critique et je le perds. Non. On peut pas prendre de risque, il faut toujours garder un coup d'avance en muselock. Toujours un coup, une marge de sécurité, un tour de sécurité. 400 Pokéfric quand même, c'est sympa. Oh, du coup, je peux acheter des potions. Allez, attends, je vais continuer à faire un petit peu d'entraînement. Alors, toi, ton objet stoppé. Oh, une potion gratuite. Ordre. Échanger. En premier. Bon, je vais monter tout le monde niveau 6, ça sera pas très long. S'il faut deux combats pour XP, allez. Tout le monde doit XP. Tamulo. Oh, Tamulo. Pas du tout entraîné, mais bon. Pokémon. Bon, bah, Roanard, c'est le seul qui peut gérer, hein, je sens. Bon, je vous le dis, la plupart des sessions d'XP, ça sera hors caméra, hein. Après avoir tapé 12 fois les 3 Tamulo de ce dresseur répétable et s'être fait un bon Pokéfric, et voilà, je reprends la vidéo après avoir combattu ce dresseur 12 fois d'affilée. Je vous rassure ici, rien de pas assez de spécial, c'était que du farm d'XP contre ces 3 Tamulo niveau 5.
Alors que s'est-il passé? Bon, l'équipe a bien pexé. Wigiloté est passé niveau 8. Niandita est passé niveau 8. Alkawe, d'ailleurs je viens de voir que j'ai fait une faute. Mais encore une coquille, c'est une femelle, j'aurais dû l'appeler Alkawen. Avec un N à la fin. Bon, Monté niveau 9, Wanar niveau 11, ça n'a pas beaucoup pexé. Je suis beaucoup plus rassuré avec une équipe un peu plus homogène au niveau des entraînements. Et un truc un peu mais fumé, c'est la capacité ramassage de Niandita qui m'a trouvé 3 repousses, 2 cordes sorties. Non, une super ball, bon, ce sera un joker, et quelques potions, et même une super potion, et un antidote. En fait, à chaque combat, je pense qu'ils ont oublié d'intégrer une fonction random 10%, à chaque combat, la probabilité est donc de 100%, et ben, ils me trouvent systématiquement un objet. Donc il y a de quoi se faire pas mal d'argent. Alors ce qu'on va faire, pour terminer cet épisode sans prétention, on va aller chercher les baies qui traînent au fond de la route. C'est-à-dire j'ai essayé un truc, Poképod. Un téléphone. Ok. Alors combien pour le Pokédex? Donc si le dresseur est dans les parages, on peut pas l'appeler avec le téléphone. Vous savez, dans la société moderne, il y en a qui... qui appelle ou envoie des SMS juste parce que la personne elle est à l'étage du dessous ou d'en dessous, hein. Flemme de se déplacer, allez. Je prends. Alors aussi, il a appris sur insecte, qui est une attaque de type insecte à 5 ans de puissance et vent féerique. Voilà, Wigiloté a appris deux belles attaques. Il y a son côté féerique qui commence à ressortir. Attaque. Allez, 24 petites XP, c'est sans prétention. Je vais juste aller chercher les baies de la route d'avant. Et après, on s'enverra à Kelvlar et on sera prêt pour la route. Ah, ça... Tiens, c'est marrant, ça. Bon, apparemment... Il doit y avoir un système comme... Oh, c'est bon, il est niveau 2, il va pas me massacrer. Ah, ça va faire mal. 6 dégâts, bon, ça va encore. D'ailleurs, faut pas que j'oublie de récupérer l'objet... voilà, Niantita, une potion gratuite. Allez, encore un Pokémon sauvage. Tamulo. Ça sera le dernier. L'épisode va s'arrêter là après. Sur insecte. La description, c'est l'insecte se remue de toutes ses forces et inflige des dégâts et il baisse l'attaque spéciale d'ennemi. Ouais, l'insecte est gigante de tous les sens. Apparemment, il attaque beaucoup en spécial lui. Alors, je sais pas s'il a une nature qui baisse le spécial. Je vais vérifier tout de suite. Total soin, oh sympa ça. Non, il a une nature neutre. Oh, il a une bonne. Il a de bons EV en IV en attaque speed. Hein. Oh, c'est... Attends, je regarde un autre truc. Et attaque aussi. Par contre, défense, vitesse, faut faire gaffe. Hein. Allez, on quitte cette route. On va sonner nos Pokémon. Donc, tout a été fait en cette ville, c'est bon, il n'y a pas grand chose à faire. Attends, je vais vérifier, c'est juste un truc. Eh oui. J'hésite en fait à faire encore une session d'Explore Caméra. Histoire de monter au moins niveau 10 pour la route suivante. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais sauvegarder là. Allez. Sauvegarder. Voilà, je reprendrai le jeu ici. Peut-être que mes Pokémon auront pris 2 ou 3 niveaux de plus. Et je vous dis bon merci d'avoir regardé et à bientôt pour de prochaines aventures. On fera la route 2 l'épisode suivant.